Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc produit fini. Encore un mois qui est passé et je me suis dit début du mois dernier je vais pas avoir grand chose à leur montrer aux filles. Et finalement, si. Donc il y a pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. Je fais pas de catégorie, je vais vous montrer au fur et à mesure les produits. Donc pour finir, donc j'ai fini mon démaquillant biphasé de chez Cora, qui est vraiment très très bien. Je vous en ai déjà parlé, moi il me convient parfaitement. Est-ce que je le rachèterai? Oui, pas tout de suite, parce que du coup j'en ai racheté un autre entre deux, je vous l'ai montré dans mon haul d'avant, mais oui je rachèterai ce produit là pardon, sans aucun problème, puisque je l'adore et niveau prix il est très très bien. J'ai fini donc un gel douche de la marque Repère. Donc c'est Leclerc, si je ne me trompe pas, que j'avais, oui, parce que je l'avais au promo Leclerc. Donc c'était pour mon copain à la base, donc il l'a utilisé, moi j'ai testé, l'odeur est vraiment très très agréable. Franchement, il n'y a aucun souci. Le fait que ça soit un lait pour de douche, franchement j'ai adoré la texture. Donc je rachèterai pas tout de suite, mais si je devais racheter cette odeur là, oui c'est sûr, j'irai sur... ce modèle là, enfin, cette odeur là plutôt. Un autre gel douche, donc ça c'est un gel douche de la marque Labelle, donc Intermarché. Donc c'est huile de douche, huile d'argan et rose. Franchement j'ai horreur de la rose, mais alors ça sent pas du tout la rose dans ce gel douche. C'est vraiment l'huile d'argan qui prend le dessus et j'adore. Franchement ça sent trop bon, la texture vraiment très agréable, ça ne dessèche pas du tout du tout du tout la peau. Comme bah, on va dire tous les gels douche Labelle que j'ai pu tester sont vraiment très très bien. L'odeur est à tomber par terre. Enfin, franchement, j'adore quoi. Ça sent... Puis même pour maintenant, il fait beau, il fait chaud. Ça délasse complètement. L'odeur est vraiment très relaxante. J'aime énormément. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, un autre gel douche. Ouais, j'ai pas mal de gel douche à vous montrer. C'est de la marque Cottage. Donc c'est Happy Shower Sexy on the Beach. Donc c'est à la cranberry, donc présenté comme ceci, comme une bouteille en fait d'eau pour les sportifs. Et franchement ça sent trop trop bon, c'est un produit Cottage, donc vous connaissez tous, enfin toutes les produits Cottage, j'ai pas besoin d'en dire plus que ça, à part que j'adore et oui je pourrais racheter sans problème, mais pour l'instant je vide mes gels douche. Ensuite, j'ai fini mon huile pour les cheveux, donc sublimatrice multi-usage. C'est Elixir Ultime de chez Kérastase. Donc, je l'ai fini, j'ai adoré l'utiliser. Au début, je n'aimais pas du tout. Et puis, en fait, sur le long terme, j'ai adoré. Et donc, je ne rachèterai pas pour le prix parce que ça coûte une blinde. Mais c'est un très très bon produit. Ensuite, une laque, donc ma laque fixation forte de chez Carrefour. Donc, est-ce que j'achèterai? Oui, je l'ai déjà rachetée. Elle est top. Je vous la conseille. Ensuite, j'ai fini. C'est un échantillon qu'on m'avait donné. C'est le lait confort démaquillant pour le visage et les yeux anti-pollution de chez Chanel. Et franchement, non, je ne rachèterai pas parce que j'aime pas du tout déjà la texture lait. Et voilà quoi, ça démaquille pas plus que ça, donc non. Ensuite, j'ai fini ma sublimiste de chez L'Oréal, ma crème de jour que j'adore. Vous voyez, je l'ai vraiment finie à mort. Et j'adore cette crème là, donc oui, je rachèterai sans problème. Elle lisse vraiment mon grain de peau, elle m'hydrate vraiment très très bien. Moi, c'est vraiment une crème que j'adore. Elle est hyper confortable, donc franchement... si vous cherchez une bonne crème hydratante, elle ne fait pas forcément briller le visage, donc ça c'est quand même un point positif vu que j'ai la peau mixte à grasse, surtout sur ma zone T. Non, elle est vraiment très très bien, je vous la recommande. J'ai fini également ma poudre de chez Sephora, donc le fond de teint matifiant. Voilà, celle-ci donc c'est la Claire Light en 20 que j'avais acheté au solde dernier. Ouais, au solde dernière. Et là c'est dommage, ils ont pas, ils en avaient plus, mais elle est vraiment très très bien, donc bah, voilà, je rachèterai, oui c'est sûr. Ensuite, un gloss que j'ai fini de chez Makeup Forever, donc c'est le Diamond
la collection Diamante Collection et c'était le D4. Il est vraiment très très bien, j'adore, il colle pas, enfin, il est top quoi, il y a la couleur, tout, j'ai vraiment adoré l'utiliser et il m'en reste encore un petit peu, j'en avais acheté deux du coup, et il m'en reste encore un petit peu dans le deuxième, donc bah, cette collection ne se fait plus, en tout cas dans Sephora, peut-être que dans d'autres il en reste, mais moi elle ne se fait plus, donc je ne rachèterai pas bien évidemment, à mon grand regret. Ensuite, chez Kiko, j'ai fini mon stick pour les yeux, donc le eyeshadow. C'était le numéro 1. Voilà, le blanc en fait, que je vous ai présenté maintes et maintes fois. Je l'ai usé jusqu'au bout. Je n'ai plus rien. Donc oui, je rachèterai sans aucun problème. C'est vraiment un très très bon produit, très pratique, très efficace. Ça fait pas de paquet dans les yeux. C'est vraiment top. Mais pas pour l'instant parce que j'ai plein de choses à finir. Et ensuite, j'ai fini mon shampoing aussi, à mon grand regret, parce que j'adore ce shampoing. Donc, le Miracle 300 ml, oui, je rachèterai. J'ai adoré utiliser vraiment ce shampoing. L'odeur était top. Et voilà. Donc, oui, je rachèterai, sachant que maintenant on peut trouver ces produits chez Monop. Donc, je suis très contente de ça. Et j'ai encore un sac à vous montrer. Ensuite, en gel douche, encore mon Yves Rocher, la collection de cet été. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois, donc vous savez que c'est un produit que j'adore. Donc je rachèterai pas puisque c'est une collection éphémère. Ensuite, un dissolvant de la marque Les Cosmétiques Design Paris, donc super doux, sans acétone, pour les ongles fragiles. Donc ça, bah, super dissolvant, franchement, il n'y a rien à dire. Pas cher, il fait bien son boulot, donc oui, j'ai racheté déjà. Ensuite, mon shampoing Baptiste, désolé, XXL volume, et je rachèterai pas parce que ça me fait trop de volume, enfin c'est pas beau, on va dire. Par contre, niveau efficacité, moi, il n'y a aucun souci. Moi, il laisse un peu de résidu blanc. Mais ça, enfin, c'est toutes les youtubeuses, elles vous le disent toutes. Hein. Ensuite, encore un gel douche de chez Cottage. Donc là, c'était le Pina Colada. Et quand je suis allée à Paris avec mes amis la dernière fois, elle m'en avait parlé. Et surtout, Aurélie, elle m'avait dit, mais si, Laura, il y en a eu. Bon, non, je vois pas. Et en fait, si, je l'avais. Donc, super odeur. J'ai adoré. Ça sent trop, trop bon. Donc, oui, je rachèterai sans problème. Ensuite, un dissolvant de chez Emma, donc en mousse, que j'ai fini parce que alors là, c'est la mousse s'effrite de partout, enfin, c'est juste atroce, qui est vraiment top. Ça sentait la fraise, ça sentait vraiment la fraise. Et oui, je rachèterai sans aucun problème. Ensuite, un antibactérien, donc grand modèle de chez Bath & Body Works. Donc, c'est le Vanilla Bean, Bearn, je sais pas trop comment ça se prononce non plus, de Noël. Et j'ai adoré, adoré l'utiliser. Mon copain l'a utilisé, ma mère l'a utilisé, je crois que mon petit frère l'a utilisé aussi. Et le côté avec les grains, enfin, j'ai adoré. Et donc oui, je rachèterai. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore un. Et là, j'ai repassé une commande. Oui, encore. Ce site va finir par me tuer. Et je crois que j'en ai pris un à la mangue. Parce que mon copain adore la mangue, donc j'ai dû en prendre un à la mangue. Et un échantillon que j'ai fini, je vous en parle parce que c'est le site de chez Armani que j'adore, que j'attends qu'une chose, c'est qu'on soit on me l'offre, soit que voilà, que je puisse me l'offrir. Mais en attendant, j'ai fini l'échantillon. Oui, j'achèterai ce parfum-là, c'est clair et net. Mais d'abord, je dois finir d'autres à moi, puisque j'en ai encore un petit peu à finir avant de racheter un modèle comme ça. Donc voilà pour mes produits terminés les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros 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 bisous, je vous dis à bientôt et en attendant prenez soin de vous, gros bisous, bye bye!